Bienvenue tout le monde à cette nouvelle édition de cette semaine j'ai une nouvelle intro. Review. J'espère que ça vous a plu. Alors je vais faire un review aujourd'hui sur si vous voulez mettre un barnac. Profitez pour passer le balai, c'était une affaire là. Et voilà. Ouh, c'est que j'ai mis ça, tabarnak. Pas de panique, Rolly. Il était là tout le long aussi. Depuis le début, tabarnak. Tu dis, c'est-tu le gars qui a fait le sixième sens avec Bruce Willis qui a écrit ça? C'est moi, M. Night Shyamalan. En fait, ça, j'ai acheté ça dans une vente de garage. Puis le gars, il dit, je le donne, ça va aller à la marde. Là, j'ai dit, non, il doit te donner 500 piastres. C'est le deal. Premièrement, en regardant ce gosse-là, je me suis dit, à quoi ça sert? C'est ce que vous dites, vous autres, là. Hein? Vous dites, hein? Le gars qui va faire avec ça? Wouh, wouh, wouh. Il va se pratiquer à faire des poignées de main. Et disons que tu veux faire une poignée de main à quelqu'un de sérieux. Là, tu le regardes dans les yeux, tu sens bien fort, tu fais des mouvements de haut en bas. Puis le moment où il dit, arrête, s'il te plaît, tu lâches la main, puis c'est fini. Si tu veux faire une poignée de main à un ami proche, il y a plusieurs variations. Il y a celle-là. Je t'aime. Il y a celle-là. Oh shit, t'as couché avec ma soeur. Il y a aussi celle-là. Elle fun, elle. Là, je vais en faire une en rafale. C'est comme applaudir avec quelqu'un, ça. Ah! Ton bras! Ça, c'est une poignée de main sérieuse et quand tu rencontres un beau-père. Je fourre votre fille. Ça, c'est la poignée de main avec quelqu'un de élastique. Il y a aussi celle-là, ça c'est un peu un exemple de faites pas ça, tu sais. Ouais, esti, touche-moi, nanana. Aussi, les possibilités sont infinies avec ça, l'affaire, là, tu sais, décrotter le nez. Tu peux aussi laver la langue avec ça. Et tu sais, là, quand quelqu'un est loin, puis là, tu dis, viens-t'en. Là, si la personne est encore plus loin, tu lui dis, viens-t'en. Les gens qui se disent, hey, pas parler du fait que c'est une main de dinosaure. Moi, je me dis, tu sais, c'est une main de T-Rex. Les T-Rex, c'est les dinosaures avec des petites mains. Et puis ça, c'est fait pour les humains, tu sais. Pour aller chercher des affaires plus loin, tu sais. Mais il me semble que ça aurait été plus utile aux T-Rex, tu sais. Petite main, hein? T-Rex. Tu sais, les T-Rex arrivent ça, là. Pas mal ça qu'il y a encore des dinosaures. Des T-Rex avec des longs bras. Tasse-toi là, t'sais. En tout cas, je dis ça, mais ils sont encore tous morts, t'sais. Hein? Hein? J'espère, parce que ça fait peur en esti, un dinosaure. Moi, j'ai écouté ça, le film, là. Ça fait peur en tabarnak, mais. Comment ça s'appelle dans les petits pieds? Sac tabarnak. La chienne, elle s'est braillée des larmes de peur. On peut revenir à la principale utilité de ça. Attraper des affaires loin. En même temps, je pourrais faire ça avec n'importe quoi, là. Mettons, là. Comment ça, une lettre de divorce? Ah, c'est pas écrit divorce, c'est écrit 10 vices en spécial organisé d'ailleurs. Ça semblait aussi, mais pas de femme. Aïe, aïe, aïe. M. Night Shyamalan. Ça peut aussi être un bon tour de majorette. Ouais, magie. Ça peut être une belle casquette.
Aussi, tu peux faire croire au monde que c'est une pelle. 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 Non, je te jure, c'est une pelle. Niaise-moi pas, c'est une pelle. Là, tu me crées que c'est une pelle. Ah! Je vais terminer là-dessus.